Et plop les gens, de retour. Cette fois, on va tenter le Cap Tempête. On est pas mal parlé. On va voir ce que ça donne vraiment. J'aurais peut-être dû me servir un verre d'eau avant de lancer l'émission. Et l'enregistrement. Cette terre qui se prolonge dans la mer renferme de riches ressources que l'Empire souhaite contrôler. Partez à la conquête des terres du Cap Tempeste et exploitez ces ressources pour honorer l'Empire. Le climat du Cap peut être particulièrement cruel en raison de ces tempêtes permanentes, mais ce ne sera pas votre préoccupation principale. Nous avons détecté une grande horde d'infectés approchant des terres du Cap. Défendez le pont du Nord à tout prix, car c'est le seul point d'entrée et les personnes infectées approcheront en nombre croissant. Ok, donc les vagues n'arrivent que au nord, que par le pont. Par nombre croissant, d'accord. Poisson abondant, ça fait quoi déjà? Approvisionnement en nourriture plus 30%. Donc oui, les cabanes de pêche, très utiles. Il faut 1500 personnes dans la colonie, résister à toutes les hordes. Et du coup, ce qui est spoilé dans le texte et que je savais déjà, ou que je me doute, c'est que la seule entrée c'est le pont, tout le reste c'est plus ou moins une île. Donc une fois qu'on a enfin, il faut essayer d'explorer toute son île, et une fois qu'on a réussi à avoir toute l'île, ben on est tranquille. Voilà, le pont est là. J'ai même pas fait gaffe à la carte. On va emmener notre soldier ici. Et il se chargera de d'essayer de détruire ce qui arrive. Et on va faire deux groupes de deux, je pense. Un qui va partir par l'est et l'autre par l'ouest de l'île. On va faire ça comme ça. Ah oui, non. Voilà, déjà là, vous aurez de quoi vous occuper. Ici, normalement, je pense que je peux aller très loin, mais que ça sert à pas grand chose. En général, l'arrivée du train est protégée quand même. Elle est plutôt jolie hein, avec ce petit ponton et tout là. Ils l'ont bien décoré, même si on n'est jamais censé vraiment y aller. Que tout ce qu'ils nous ont appris, c'est que c'est décoré. Bloque l'accès d'un autre bâtiment. Ah, j'aurais dû les décaler d'un cran. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, on va peut-être pas les mettre deux par deux en fait. D'ailleurs, la forêt. Oh, dommage. S'il y avait 7 cases en plus, je suis sûr qu'ici c'est un très bon spot à bois. Et sinon, il n'y a pas l'air d'avoir des beaux spots à bois. 9, 6, 3, ouais. 3, 5, bon ici on peut pas. Ici il y a 13, mais ici il y avait 18 quoi. Bon alors on se contente d'un 8 au début d'un 9 là. On se contente d'un 9. Dès qu'on peut, on va là. Commander, on your orders. Our soldiers are in trouble.
mare noire dépasse de toutes. Des archères. Donc on a dit que la meilleure moyen d'avoir de la nourriture, ça va être la pêche. Ce serait bien de finir d'explorer là-haut un peu plus. Il faut de la nourriture d'ailleurs. Alors 3, 3, 5. Ouais, je pourrais faire 6. Je pense qu'ici, enfin j'espère en tout cas qu'il y aura plus de ressources que dans la carte précédente. Fait un itinéraire Larousse. Il a de quoi parcourir et explorer. J'espère qu'il sera content. Ah oui, et ça pour les réparer, il faut que ce soit dans la portée des tourelles. De l'énergie. On va mettre là, on va mettre là. Est-ce qu'on peut mettre une au nord? Est-ce qu'il va en avoir besoin? Toi t'es attaqué mais ça va. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc là, ce sera surtout au nord qu'on va devoir défendre, quoique. Donc ils visent plutôt le sud, eux, donc on va le mettre côté sud. Et voilà, d'abord, petit à petit, il y aura de plus en plus de zombies. Il va donc falloir s'en occuper. Oui, 22. 25. Là, 21. Là, j'ai vu 21. Et puis après, il n'y a pas beaucoup. Pas tout de suite. On a dit que ici, ça allait être un endroit pour le bois. Génial. Ici, ça aurait peut-être pu l'être aussi. Finir ça parce que je pense que c'est une plus petite zone ici. Non, hop, hop, hop. Il faut des travailleurs.
Il faut des travailleurs, alors on va faire de l'énergie. Ce qui est logique. Des travailleurs. On a fait de la pêche, donc ça devrait arriver. Voilà. Si le train arrive dans le bon timing. Ça devrait aller. On voit que le chemin de zombies. Oh punaise. Il est désinfecté grassouillet, au secours. Là, il y a un grassouillet, super. Ici, c'est protégé et on a de la pierre. Combien, on n'a pas grand monde. Alors les casernes. Tout ici. Il y a de plus en plus de zombies, mais pas vraiment une horde avant un bout de temps. Alors, là, on va avoir notre père. Hop. 22, 26 quand même. On va prendre le bain 26. On peut pêcher là, ouais, 20. Peut-être louper un 21, mais. Ah là, c'est fini aussi. Ok, parfait. Pour avoir cette case-là qui peut-être pourra
obtenir une très bonne cabane de pêche. Il me faut des travailleurs. Mais ici j'ai un grassouillet qui va me gêner. Peut-être pas celle-là. Parce que tant qu'à faire 1, 22, 23, 28, parfait. Et là il va me falloir... Presque le mettre là. Alors, le train est arrivé. Si on pourra pas avoir mieux que 5. Du fer, il faut un peu de fer. On va attendre que lui se lance. Quoique, on peut peut-être commencer par prendre 2-3 rangers. On va les mettre là pour le moment. En vrai, est-ce que je devrais pas faire comme comme l'autre mission là, avec le géant? Et laisser l'expérience aux nouvelles recrues, peut-être. 38. Comment ça, cet endroit est inaccessible? 38, j'ai vu. 38 aussi, punaise. Oh, 19, 24, c'est mieux. Ah, là, j'ai vu des 25. Ce sera mieux que le 24 ici. Il y a des 20, 23, 40 quoi. C'est 38, 20, 24. On va quand même prendre le 20 ici. Ok, là, la bouffe n'en a pas beaucoup. On a quasiment plus de travailleurs, donc il va falloir améliorer ça. Pour ça, il nous faut 10 travailleurs, donc il faut des travailleurs. Tout simplement, il va nous en falloir beaucoup, vu que l'armée, ça consomme beaucoup de travailleurs. Attention, building.
Understood. On your orders. All the way. Ouais, d'accord. Alors là, j'ai envie de dire, c'est le bon moment pour sortir lui, le mettre là. Et en prendre un nouveau et lui dire d'aller là-haut. Ce qui fait que, pareil, lui ne devrait pas trop tirer. Mais au cas où, il sera là. Et pour autant, on gagne de l'expérience. On va essayer de se mettre aligné. Dirigeant affecté, résistant et très fort. Oh oui. Ceux que j'aime bien appeler les majordomes, je sais pas pourquoi. Enfin, à cause de leurs vêtements, quoi. Bon, effectivement, très fort. Est-ce que j'annule pour décaler d'un cran? Ouais. Sinon toute ma ville sera en décalé en fonction. Hop, alors de la pêche. Trois, sept, vingt-six, pas mal. Ah, oh, elle est morte. Ok, c'est la mouise. Ok, donc tout ça, ça va être défendu. Juste, j'ai un trou de mémoire, enfin de ce que j'avais aperçu, bon, imposé. Mais je crois qu'on peut pas, remplir le mur, le pont. Potentiellement, on peut construire que jusque par là, je sais pas quelle case exactement. On peut pas aller jusque là-bas en haut, je crois. Je crois qu'on est bloqué par là. Donc si je veux des pieux, ben va falloir que je les mette. Comment ça résiste bien les... les soldats par rapport au... Voilà. Donc lui il est en train de level up. Great idea, sir.
Le prochain, j'allais dire, on va le mettre là-haut aussi. Bon bah elle est morte, je sais pas faire, je sais pas gérer. Oui non, on a toujours pas fait ça. Alors là c'est très mauvais parce que ça bloque, même si normalement il y aura pas beaucoup de déplacement d'unités à l'intérieur de la base, autant éviter de bloquer pour rien. 16, 13. Et pareil, ça bloque. 12. Voilà. Il me faut plus d'or. Mais plus d'or, ça se gagne pas. Comme ça, il va falloir faire des maisons pour avoir de l'or. Terran, tu vas là-bas. D'ailleurs. Voilà. Vétéran, tu vas là-bas. Les vétérans essaient de pas trop piquer l'XP, essaye. On va les mettre ouais là plutôt. Ici, ils sont encore loin, même si ça augmente un peu, ça va. Le petit bataillon. Regardez, juste avec une seule mine là de fer, on produit plus de fer avec 5 que ce que une seule caserne peut produire de soldats. Donc à ce niveau là on est bien. Maintenant il faudrait faire des chalets, d'un marché, tout ça, tout ça. On va commencer par le marché.
peut-être faire surtout le tour du littoral. Chercher le marché. J'aurais dû rechercher les chalets en priorité, c'est pas grave. Le nouveau, je sais qu'il attaque pas en priorité les cibles solides, mais c'est pas grave. Justement, il permettait de loin d'attaquer les petits qui pouvaient aider le gros. Hop, je fais énormément de micromanagement parce que je suis nul. Voilà, on peut dire ça comme ça. Enfin, je le fais en pause, donc voilà. Si je le faisais en temps réel, on pourrait dire que je ne suis pas nul, mais là. Faudra mettre le marché par là, je pense. Ah d'accord, là ils font soit le tour par là, soit le tour carrément par là-bas. J'espère... Ah ouais d'accord, ils font carrément le tour par ici. Il va falloir que je ramène un troisième soldat là parce que lui il devrait pas trop tarder non plus à se level up.
Donc le prochain va aller au nord. À avoir un petit paquet de soldats vétérans. J'ai l'impression que mon pack de soldats il monte pas, mais et surtout parce qu'il y en a autant qui sont produits que ceux qui deviennent vétérans. Peut-être que c'est une mauvaise idée là, parce que j'ai l'impression d'aller très loin. Là j'avance beaucoup mais ça me fait pas avancer ma ville, donc c'est pas génial. $400, on met un marché. On va le mettre là. Reporting for duty. Building completed. Attention. Building completed. Je suis en train de vouloir mettre de l'énergie là-haut, mais je sais pas si ça va être le meilleur endroit. Reporting for duty. Is everything okay? Do you need me? Toi, tu es un vétéran, tu vas là. Ça fait un petit pack là. Je pense que deux en vrai ça suffit encore un peu.
Ok, donc tout ici est bon. Est-ce qu'on peut avancer là ou pas du tout? Ah d'accord. Donc en fait là, en tenant ici... Hop là. On a déjà séparé la zone en deux. Donc genre vous deux là. Non, vous pouvez être là. Faire ça. Avec la reprod qui arrive un petit peu devant. C'est parfait. Ok, ici ça suffit plus. Là, eux peuvent aider quand c'est au corps à corps. Il me faut un gars de plus. Et bon, si ça se... Je suis obligé de réparer, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de monde. Pendant ce temps... Mais là, ça m'étonne qui... Ah, ça bloque. Et là, elle bloque, ok. Et quoi, on va même essayer. Oh, on a plus de nourriture.
18, ouais. 25, c'est quand même mieux. 1, 29. C'est vrai, 34. Je devrais pas vraiment faire ça, mais bon. On va essayer de remplir de gens qui sont pas level up. Toi, tu veux venir ici. Essayer de level up des trucs, des gens, c'est bien. Et c'est pour perdre son mur et qu'il se fasse buter. C'est pas la peine. Il y en a 3, il y en a 4. Ok, donc vous revenez. Ici les futurs, les nouveaux. J'avais dit qu'il fallait que je fasse des mines, des trucs comme ça. Pour gagner plus de thunes. Perdu 3 et 4, pire donc 7 en 2 mines, c'est pas rentable. Ok. Du coup, il faut commencer à réfléchir à avoir plus. Mais Reporting for duty.
tell me? At your service. Tell me. All right. Hop, d'un côté, c'est génial d'avoir plus de soldats. Ça, faut que je remplisse au moins ces quatre là de soldats en ce moment. Alors, il y en a combien? Il y en a 4, il y en a 4. Est-ce que maintenant... Oh là non, je peux pas construire plus loin que ça, donc ça sert à rien de mettre ça ici, je m'en doutais. Mais j'ai tous mes soldats qui deviennent vétérans à la fois. C'est cool et à la fois ça m'emmerde, c'est pas le bon moment. Parce que là j'ai besoin de plus de soldats ici. Il m'en faudra encore 4. Avec tout ça, j'ai pas augmenté mon écho, ce qui est mauvais. Et pluie. Truc qu'on va essayer déjà. Ça, je sais pas si j'en mets deux lignes ou une seule. Our soldiers are in trouble. The train has arrived.
Ah ouais, j'ai quand même des morts. Parce que j'envoie tous mes nouveaux soldats là-haut. Tout en réduisant le pack. Forcément. Alors forcément ça se passe moyen. Ce que je veux... Plus de maisons. Et quand même plus de soldats. Plus 4 soldats. Donc pas dans cela. Je pourrais avec tout cela du coup... à la place... toi tu vas là. Bon alors j'essaie de les produire deux par deux mais un peu de backup donc tac tac il nous faut de l'énergie, on va en trouver ici, on va en trouver là si j'aimerais bien ne pas gêner des deux côtés. Ça, ça va le faire. On a un peu, mais pas beaucoup. Ouais, non, on n'a pas du tout d'énergie. Et vous, vous allez vous mettre là en fait. Et quoi, là il y a assez de monde. Là on va dire qu'il y a assez de monde. Évidemment, si vous êtes dehors, vous re-rentrez. Tac. Ici. C'est là. Et vous, vous allez venir aider vers la fin.
Waiting on orders. Tell me, Commander, is everything okay? Tell me. Morning for duty. Ready and waiting. Ça m'a l'air mieux. Là on met un mur. Ok. Du coup, vu le nombre de... J'ai l'impression de consommer quand même énormément de bois. Hop. 16 et 15, ça sera quand même mieux. D'ouvriers, il faut absolument que j'augmente le nombre d'ouvriers tout de suite. En général, c'est des mines là, tout, enfin c'est des pointes les mines. Voilà. Donc là, normalement, tout est blindé. Ok, parfait.
Alors... Est-ce qu'on arrive vraiment à la fin là ? Bah je crois que oui. On a donc... Ah non, on n'a pas libéré toute l'île. Non. C'est toute cette partie droite là. Ici, on va mettre ça là. Ça, on verra aussi. Vous essayez de rentrer et vous, vous glissez là-dedans. Donc avec deux rangées de tours là, 1 sur 2. Au jour 30, on tient largement. Je me demande si quand même il faudrait pas une autre caserne. Qu'est-ce qui manque là? Il manque des travailleurs, ok. Travailleurs. Il manque de la nourriture, très bien. Non, c'était la pêche qu'on avait dit qu'il fallait surtout focus. 26, là on n'a pas l'air de pouvoir y aller. 18. 21. 18. Non. Quoique. 24, 21. 24. Et là, est-ce qu'on peut avoir ce 18, ouais. 36, on va surtout pas regarder à côté. 8, 32. Une vingtaine, ouais, on aurait pu avoir le 22. Ça a l'air de plutôt bien se passer ici, hein.
Alors faudra venir ici après, parce que potentiellement quand on était ici, on en a attiré certains qui se sont arrêtés là. D'un côté, je veux bien une autre... Ouais, bah voilà, je pense que cette fois, c'est vraiment... tout bon. Voilà, il y a certains de venir là et puis ils viennent pousser tous les autres, c'est parfait. C'est parfait, maintenant il n'y a plus besoin que de penser à plus d'habitations, plus de bouffe toujours, évidemment. Et plus d'or, il faut trouver le moyen de gagner plus d'or plus rapidement. Donc là, revenu en or 8, revenu en or 18. Ça coûte un peu plus cher évidemment, mais l'upgrade est, je trouve, pas forcément worth it. Enfin, ouais, je devrais peut-être arrêter d'upgrade. Peut-être upgrade ceux-là parce qu'ils sont dans la zone du marché, mais c'est tout. Alors hop. Hop. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est de rester sur les bords. Alors ici, on s'était arrêté là. Non, là, j'avais pas vu. 19, ouais, 19 ici du coup. Est-ce qu'on a assez d'énergie? Non, on n'a plus beaucoup d'énergie. Ils compactent tout ce qu'ils peuvent. Ah, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'or. Il y a un pieu qui est endommagé ici, quoi. D'ailleurs... si jamais il y a un souci. Ici, il y a une ligne de pieux. Du coup, là, il me faut de la, du fer, il me faut plus de ressources en fait. Peut-être que j'arrête de produire un petit peu de soldats. Parce que j'ai 10 jours. Que j'ai largement pas tout exploité sur mon île. Et que pour faire des soldats plus vite, il me faut plus de thunes. Et du coup, il vaut mieux que je focus un peu là-dessus.
C'est pas mal. Il me faut des travailleurs. Excusez-moi. C'est sur la fin de la vague qui s'arrive au niveau des pieux. Voilà, maintenant on va peut-être mieux faire des nouveaux chalets. Des scieries. On va les mettre là. Travailleurs, il faut des travailleurs. Est-ce qu'il faut du bois? Pour ça, il faut des travailleurs. Si ça doit être un truc de bois de ouf. Ah là, il manque un pieu. J'ai des travailleurs, du coup je vais pouvoir mettre bois 9, 9. Là je suis sûr que je pourrais en mettre beaucoup. Hop, on va préparer de l'énergie parce que on le voit à l'instant, on n'en a pas et ils vont nous dire qu'il nous en manque dans 2 secondes. Sérieusement? Voilà, il y a de l'énergie. Hop, hop. Hop. Et... il n'y a plus d'or. Ici. Ok, si on peut pas y voir, est-ce que là on peut 21, 24 ou 24, on va le mettre là comme ça ici, mettre un 23 de nourriture, parlant de nourriture, 20,
J'ai rêvé où j'ai vu un 31 ici. Alors, de l'énergie, on a dit ici, là. Est-ce qu'on peut avoir d'autres maisons aussi? Potentiellement, je retarde. Je ralentis la production de soldats. Pour le moment, ça va. Mais potentiellement, il faudrait peut-être que j'envisage de préparer des casernes supplémentaires. Pour justement qu'on s'en compense cet énorme trou de production de soldats. Que je suis en train de m'infliger. Volontairement. Ça, ça. Y'a pas d'or, y'a pas d'or, y'a pas d'or. Alors j'ai 1000 balles, qu'est-ce que je peux avoir besoin? Du bois. 12. Ici c'est gêné, ouais non. 17. Ça part vite les thunes. Ah non, ici celui-là il servait à rien, d'accord. Ça aurait pas été mieux. Une mine. Non, ce que je plus de travailleurs, d'accord. J'ai beaucoup de bouffe, donc ça ne devrait pas être trop gênant, mais j'ai pas de bois pour faire les chalets. J'ai 70 de bois, j'en avais 0 juste avant. J'ai plus d'or. On va vendre du fer. On va surtout vendre de la pierre, parce que la pierre ne nous sert vraiment à rien. On va vendre le pétrole que j'ai juste récupéré par terre et que je ne sais ni utiliser ni produire. En général, je garde ce genre de ressources, mais la réalité, c'est qu'on s'en fout si je sais pas l'utiliser. Il
J'ai pas de travailleur, d'accord. Donc c'est l'heure de mettre des cabanes de pêche tout autour. La 31, est-ce que j'en ai une au milieu? C'est pas si grave. 28. Et on va dire. Proche du pétrole 23. On va dire là, là il y a le 24 en plus. Ouais, 22, mais. Hein? Oui, d'accord. 22. 38, on va se dépouiller, ce sera toujours mieux que le reste. 23. 21, ouais, ouais. 21. 22, ce sera mieux. 23, c'est pas grave. 28. 6. Oula, je suis quasi à fond de thunes. Il va me falloir un autre marché. Alors où est-ce que je mets d'autres maisons? Ici. Ah. Là, il n'y a plus beaucoup de place en fait. On va dire ici, un peu au pif. J'ai pas de bois, au secours! J'ai pas d'or! Le bois par cycle, j'en produis 137 alors que je peux en stocker que 70. C'est là où avoir des entrepôts m'aurait permis de stocker plus de bois et de moins être en dèche en mode. J'essaie de mettre des cabanes de pêche vu que j'ai rien d'autre à faire. Ah mince! Du coup, j'ai loupé 18 cycles de bois que j'aurais pu utiliser. Alors, là, si on met, non, on peut pas en mettre une là. Ouais. Que je peux avoir une mine parce que ça c'est de l'or il me semble en plus donc ça part directement dans la popoche, il est sous dans la popoche là où j'ai pas fait de mine là, ça fait de la pierre qui va être transformée en or là pas assez de ressources, oui d'accord. Il manque quoi? Du bois? J'ai trop de trucs de bois qui sont en même temps. C'est mieux qu'ils soient un peu plus décalés pour avoir paf, 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 paf. Bref. J'ai 500 de bouffe de rab. On va faire des habitations en priorité, on a dit. On a encore un peu de temps pour de l'écho.
Et on a dit que, en plus, l'écho était gêné par la production de bois. Presque plus que par celle de l'or. Il manque quoi là ? De l'énergie. De l'énergie. On va mettre là, comme ça on est sûr que ça va pas gêner. Plus l'énergie, il faut du bois aussi. Alors ici on a dit qu'il nous fallait des maisons, on n'a toujours pas d'énergie. Yep. Du coup, maintenant, on peut faire des maisons. Hop. Non, on peut plus. Quoi, il manque de l'or. C'est bon, on a de l'or. On peut faire la maison 5 par 5 juste à cause de notre petit stock de bois. Après, c'est des chalets. C'est des chalets, c'est pas juste des tentes, mais quand même. J'ai de quoi rajouter juste une seule maison pour rester dans la zone du... Ok, maintenant c'est plus du tout l'heure de faire de l'économie puisque le temps que le train arrive sera trop tard. On peut peut-être faire juste, enfin des maisons en tout cas, juste un peu d'énergie
Là, clairement. Clairement, c'est tout sur la défense. Alors. On a du coup 150 soldats et deux rangers. Alors là-dessus, voilà, voilà. Ok. Voilà, voilà. Faut commencer par les tours en bois parce qu'elles sont plus lentes à produire. Bim poum. Alors je sais pas s'il en aura besoin jusque là. D'un côté, j'espère pas. De l'autre, vaut mieux et voir. Plus vous la sentez la mauvaise idée de mettre les tours Tesla dans le mur. Lag. Hop. Trop proche de cette position, très bien.
Mais ça faiblit pas. Hein. On va mettre un deuxième mur par ici. Et les deux rangers viennent de mourir. Oh yeah, yeah. J'aurais dû plus tous les mettre déjà dans leur tourelle dès le début. Il y en a encore combien ? Oh là là. Allez. Le jeu qui ne supporte pas, enfin le PC qui ne supporte pas de jouer, streamer et avoir autant d'unités à l'écran. J'étais en mode quoi, c'est la fin? Mais en fait non, je sais pas pourquoi il y a une coupure là. C'est peut-être le brouillard de guerre. Ouais, c'est le brouillard de guerre qui fait une coupure nette. Je me suis dit quoi, il y a plus que ça et puis je vais perdre. Oh dommage. Non non, c'est bon, il y en a encore masse. Bon ben voilà. J'aurais dû couper les soldats beaucoup plus tôt pour pouvoir faire beaucoup plus d'économies plus vite et avoir le temps de faire 18 murs jusqu'à celui où j'étais là. Et niveau caserne, je sais pas, plein. Plein aussi. Bref. Le Cap Tempête, comme il me semblait, c'est très dur, mais un peu moins que ce que je pensais, je sais pas. Le fer est assez accessible.
j'aurais peut-être pu, enfin la prochaine fois je le rusherai peut-être, on va dire. Et une fois qu'on a le fer, on peut avoir des soldats par un, par deux. J'ai peut-être trop essayé d'économiser l'XP. Je pense que la troupette qui s'occupe de gérer la base, bah il faut qu'elle grandisse, et puis c'est pas grave si certains deviennent experts. Et vite récupérer toute l'île pour essayer de faire le maximum d'or sur l'île et de bois et pour faire le maximum de soldats après. Mais d'abord le maximum d'or, donc le maximum de maisons. Et la pêche est largement suffisante pour ce qu'on a besoin, donc limite même pas besoin de rechercher les fermes. Il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient bien se placer. Sur ce, c'est un épisode super long. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, cette découverte du Cap Tempête. Et je vous dis à bientôt.